Après ces postures intenses d'ouverture de bassin, je vous propose une petite dernière avant Shavasana qui sera facile puisque je ne la demanderai pas d'une manière intense. Il s'agira de mettre le talon gauche à côté de la fesse droite, puis ensuite de croiser les deux jambes. Le pied droit sera à gauche de la cuisse gauche. Vous inspirez progressivement, vous vous étirez, vous ouvrez bien vos épaules. Vous montez le bras droit dans l'inspire. Faites un grand cercle, expirez. Posez la main sur le sol ou sur une brique si vous êtes très surélevé. Puis vous montez le bras gauche en inspirant. Et en expirant, vous placez le coude devant la cuisse. Vous pouvez vous aider avec la main. Et dans l'expire, vous tournez. Et dans l'inspire, vous vous grandissez. Grandissez-vous dans l'inspire. Expirez, tournez. Bien entendu, vous gardez ça 5 à 6 respirations. Pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le genou droit est au sol et le pied gauche par-dessus la cuisse. Le pied est à plat. Donc inspirez. Grandissez-vous, soyez bien symétrique. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas besoin de briques, vous pouvez le faire sans briques. Je montre aussi que c'est possible. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, faites un grand cercle. Posez le bout des doigts sur le sol, puis inspirez, levez le bras droit, pliez le coude en avant de la cuisse gauche et pivotez dans l'expire. La tête est en arrière de la main et vous restez sur un axe vertical au niveau de la colonne vertébrale. Puis inspirez, revenez. Donc pareil, 4-5 respirations. On inspire, on se grandit, on expire, on pivote. Voilà. Et puis pour terminer, bien sûr, je vous propose le Shavasana. Avec la posture de Hanumanasana qui a beaucoup sollicité le bas du dos, je vous propose de mettre les genoux sur un polochon, de mettre une couverture bien sûr sous la tête, au ras des épaules. Et ensuite, vous vous installez pour Shavasana. Étirez bien la peau du dos, tirez bien la peau des fesses vers les talons, déposez vos talons sur le sol, ouvrez vos bras, détendez-vous, le visage calme. Et la respiration douce. À bientôt.